Bienvenue chez Pierre Desroches. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre modèle Grand Cliff GMT réserve de marche. Maintenant, vous voyez que la réserve de marche ici est basse. Vous pouvez soit la remonter manuellement en tournant la couronne à 3 heures dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous voyez que l'aiguille remonte. Il n'est pas utile d'aller jusqu'au bout puisque de toute façon la montre est automatique et se chargera avec les mouvements du poignet. Et nos deux poussoirs à 2h et 16h, comme je l'ai dit, sont pour régler le GMT, soit pour aller en avant à 2h, soit pour aller en arrière à 4h. N'oubliez surtout pas de bien revisser chaque couronne à fond pour garantir la parfaite étanchéité de la montre. Et voilà.